Good morning! Non. Ah, ben tiens, vous êtes là, Karim. Vous n'entendez pas? C'est sûr que c'est moi qui tiens la caméra à bout de bras. Mais ça, c'est une très belle surprise. Vous vous réveillez avec moi ce matin. Incroyable. Voyons, parle de McWaffer. Parle de McWaffer pour commencer un vlog, ma chum casse. Te mettre belle, peut-être ça te tente pas. Ben non, ça me tente pas. Je viens de me réveiller. Tout le monde sent ce que je suis honnête, merci. Je viens de me réveiller de ma première nuit dans mon nouvel appartement tout seul. En fait, je ne suis pas tout seul. Êtes-vous prêts à voir la journée appliquée autour de moi? My god, as-tu vu un bâillement aussi long dans ta vie? My god, moi, pas sûr là. Crème! Yo, what's up? Premier matin dans mon nouvel appartement à moi tout seul. C'est la première fois que je dors seule dans mon appartement. Genre, je me réveille et je suis genre, allô? Y'a personne. Allô, y'a personne, y'a juste moi. Je me questionnais en ce moment, puis je me disais, crème casse, qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi? À toi, à seulement toi, en ce moment, qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'ai réalisé que moi-là, je ne me suis jamais datée. Je ne suis jamais allée en date avec moi-même. Je n'ai jamais osé faire des activités seule. Jamais, jamais, jamais. Et là, non seulement je suis rendue seule dans un nouvel appartement, nouvelle vie, célibataire, seule, à Londres, avec personne. Seule, à Londres, avec personne. Seule, je suis aussi déménagée dans un quartier que je ne connais pas. Je ne connais pas. Alors moi, je sors de chez moi. Je ne sais même pas si je dois aller à droite ou à gauche. J'ai aucune calice idée qu'est-ce qui se passe, tu comprends? Aucune idée. Cette semaine, j'ai envie de me gâter. J'ai envie de passer une semaine avec moi. Genre, de me dater, de me mettre belle pour moi, d'explorer mon quartier, de faire des activités toute seule. Genre, what the fuck? What the fuck que j'ai jamais fait ça dans ma vie? J'ai 25 ans, j'ai jamais fait ça. Passer du temps avec moi-même. J'espère pas me taper ses nerfs à la fin de la semaine parce que ça serait un peu plate. Mais Cassandra, pourquoi donc? Pourquoi aller en date avec toi-même? C'est quoi le buzz? C'est quoi le buzz? C'est quoi le buzz? Le buzz, c'est que après tout ce qui m'est arrivé dernièrement, j'ai pris du recul, puis j'ai réalisé que j'ai envie de m'aimer. J'ai envie de juste m'aimer, rien de plus. J'ai envie de comprendre et de réaliser que je peux compter sur moi-même, puis que j'ai besoin de rien de plus dans la vie. J'ai réalisé que j'étais le genre de fille qui dépendait vraiment des autres. On dirait que je réalise pas que quand il m'arrive quelque chose, je peux compter sur moi. J'ai pas besoin d'avoir tout le temps une personne ressource. I'm here, I'm always here. So, in this week, I want to realize that shit. I'm here for me. Are you ready for that? J'ai pas envie d'être célibataire. J'ai pas envie de dater, de m'inscrire sur des applications de dating en ce moment, j'ai envie de me mettre en couple avec moi-même. J'ai envie de faire des activités pour moi, de prendre des décisions pour moi. J'ai envie de fucking partir à l'aventure avec moi-même dans mon quartier. Fait que cette semaine, on va se dater et on apprend à s'aimer. Genre, ça peut-tu être plus nice comme planning? Ça peut-tu être plus nice? Je penserais pas. Fait que pour s'aimer, on pourrait se laver, hein? Parce que je ne penserais pas que je vais plaire à beaucoup de gens comme ça. Malgré qu'on s'en calisse des gens. Mais moi, je me plais comme ça. Moi, j'ai pas besoin d'une douche pour me plaire. En toute franchise, je suis pas difficile dans la vie. Mais je pense que si j'irais en date avec moi-même demain, je me plairais pas. Non. Allons à la douche. Ben voyons. Tu sais, au moment où est-ce que tu dis ma coiffure peut pas être pire, ben là, elle est encore pire. Voyons donc. Bonsoir, je suis maintenant propre. Je vous ai demandé sur Instagram de m'aider avec mon planning de ma journée de dating avec moi-même. Pendant que je t'allais me laver, j'ai reçu des petites réponses. Alors regardons les petites réponses et choisissons les activités de la journée. Ouais! Momo, j'ai fait une vidéo. Ben je comprends pas. À qui tu parles? Momo, il arrête pas là. Momo? Ben, t'as eu? Pas de panique, Cassandra. T'as demandé de l'aide sur Instagram, les gens t'ont créé des activités, fait que tu vas choisir des activités dans les activités que les gens t'ont donné, puis après ça, tu vas aller enjoy your life, bitch. Fait qu'on va commencer cette journée en se faisant un beau petit maquillage. Parce que moi, je me garde pas vraiment souvent le beau petit maquillage, mais là, j'ai envie de me garder le beau petit maquillage. Et je pense que pour aller en date avec soi-même, tu as le droit de te garder un beau petit maquillage et une belle petite coiffure. Malheureusement, je n'ai pas de fard plat ni de séchoir, fait qu'on va pas se garder une belle petite coiffure. Mais on va quand même bien se garder un beau petit maquillage, hein. Momo? Arrête de parler! Il y a quelqu'un qui me dit « Sors de chez toi, va explorer un nouveau quartier ou explore ton quartier. » Mais je suis présentement dans un nouveau quartier. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Aller explorer le quartier. Et avec l'exploration du quartier, je suis sûre qu'il va s'en suivre plein de belles surprises qu'on s'attendra pas. Oh que j'en suis sûre! Par la suite, je pourrais peut-être me faire un petit souper, car hier, j'ai reçu des cookies. Et j'aime vraiment ça, me faire des petits soupers tout seul. Donc, je pourrais m'ouvrir une petite bouteille de vin et manger un petit souper tout seul. Par la suite, je pense que j'ai envie d'aller prendre une bière tout seul ce soir. Genre, j'ai jamais fait ça de ma vie. Aller juste
juste dans un petit bar, toute seule, prendre une bière. Ça m'est jamais arrivé. Fait que j'ai vraiment envie qu'on fasse ça. Puis j'aurais peut-être envie, si j'ai le temps, d'aller au cinéma toute seule. Genre, j'admire les gens qui font ça naturellement, aller au cinéma toute seule. What the fuck? Tout le monde qui le font disent, est-ce que ça fait du bien? Fait que why not l'essayer? On s'entend-tu que pour une première date avec moi-même, aller au cinéma toute seule, c'est un bon plan. C'est un bon plan. Alors c'est parti, mon kiki! Ça y est, les chums! On est rendu à l'expédition de mon quartier. Honnêtement, j'étais excitée. Je suis vraiment contente. Je suis genre... Je sais pas trop où. Je dis ça, je dis rien, mais c'est sûr que partir à la découverte de son quartier l'hiver, c'est beaucoup moins satisfaisant, je te dirais. J'ai déjà froid aux mains. J'ai déjà froid aux pieds. J'ai froid partout, Chris, pas mal. Et vous ne comprenez pas. Après 100 heures de marche dans mon nouveau quartier, j'ai découvert une rue qui s'appelle Masson. Puis genre, vous allez jamais revenir. Regardez ça. Il y a un Renaissance. Il y a une friperie. C'est quoi le call is hot? Je suis tombée contente. Il est 2h de l'après-midi, je me suis jugée et je me suis dit non, ma chum, va te ressourcer, prendre un petit café avec toi-même. Fait qu'on s'en va ici, c'est genre un petit café. On va le découvrir. Youpidoupidoupidou. J'ai choisi la pire journée pour me promener puis me dater parce qu'il fait une tempête. J'ai pas de fun, mon café, il est froid. On s'entend-tu pour dire qu'une étape très importante quand t'es en date avec toi-même, c'est d'être un peu pompette. Ben oui, Momo, c'est important. Fait que j'ai ça ici. C'est une petite bouteille de Nessie que j'ai eue hier. On m'a donné ça hier. C'est un beau cadeau. Santé! Santé, Cassandra. Ben, santé toi aussi. Hein. Ben, c'est donc bien le fun d'être en date avec soi-même. Oh, tabarnak. Je pense que je suis rendue à l'étape de me faire un petit souper, les chums. J'ai faim que le tabarnak. Fait qu'on a le choix entre le tofu, qui est un tofu grillé aigre doux, ou des croquettes de crevettes au gingembre. Je vous dirais que j'ai fucking pas envie de manger ça. Fait qu'on va faire le tofu grillé aigre doux. Ça a l'air vraiment bon. C'est vraiment nice parce que, dans le fond, c'est Cookit qui m'envoie des recettes. Je sais pas si vous avez déjà essayé ça, mais c'est vraiment clair les étapes que tu dois faire. Ce que j'aime vraiment avec Cookit, c'est que ça te fait apprendre plein de nouvelles recettes. Donc, ce soir, vu que je suis en date avec moi-même, mais quelle belle opportunité d'apprendre à faire un nouveau repas. Hein? Ben oui. Après une intense coupe de légumes et de tofu, c'est important de se récompenser avec un autre shot de whisky. Ben oui, je parle déjà, l'état d'âge, ça va bien. Santé! Dans le fond, ça va finir en recette pompette, mon affaire. Mais genre, tout seul. Nous sommes rendus à l'étape de faire la sauce. Et ça, c'est une étape que j'aime beaucoup. Parce que t'as juste à prendre tous les ingrédients et les coller dans un pot. Moi, je te dirais que faire la sauce puis boire des shots, c'est mon étape préférée. Je pense que dans la vie, on gagne à plus penser à soi puis à se faire plaisir. Des journées comme que je viens de passer, ça devrait pas être une journée par vie, t'sais. Ça devrait être une journée par semaine, honnêtement. Ah, un peu barré. Bonjour! Je viens de me lever. J'avais envie de vous parler en toute honnêteté, en me levant.
Point. Hier, il s'est passé un truc dans ma journée. Il s'est passé que j'ai frappé un mur. Vraiment. Genre, j'ai fucking frappé un mur. Je me suis fait à souper, ça allait bien, j'avais du plaisir. Je me suis mis à souper, ça allait plus, j'avais pas de plaisir. Genre, what the fuck? Je me suis juste mis à pleurer. Je pense que quand tu vis des grosses émotions, en ce moment, moi, je vis une rupture amoureuse qui me fait beaucoup de mal. C'est ça, en fait. C'est que c'est des émotions qui te frappent à n'importe quel moment de la journée. Puis je pense que même si j'étais en journée d'être avec moi, l'important sur le moment, c'était de m'écouter. Puis c'est ça. J'avais envie de pleurer. J'avais envie de me libérer de cette peine puis de pas la garder à l'intérieur de moi. Donc j'ai comme pris une pause de filmer ma date parce que je vais vous le dire à vous, elle était pas excitante en tabarnak. Il y avait juste moi qui mangeais en pleurant, tu sais, comme je veux bien, mais comme c'est un peu lourd. T'sais. Par contre, par la suite, j'ai des amis qui m'ont écrit, puis j'ai une de mes bonnes amies qui est tatoueuse, puis elle m'a dit « Viens donc au studio, on va te faire un tatou, ça va te faire du bien. » Moi, je suis pas vraiment une fille de coup de tête de tatou, parce que je le sais que ça reste forever and ever, comme. Fait que j'ai jamais vraiment fait ça, de me dire juste comme « Je suis wild, à soir, je m'en vais me faire tatouer. » Puis fouille-moi pourquoi, c'est ça que j'ai eu envie. J'ai eu envie de ça sur le moment. J'ai eu envie de rien d'autre. J'ai eu envie de me faire tatouer quelque chose que quand je vais le regarder, ça va me faire du bien. Genre. Fait que j'étais dans mon char, puis je pensais à ça, puis j'étais comme, qu'est-ce que je pourrais me faire tatouer? Puis j'ai l'impression qu'en ce moment, ce que j'ai vraiment besoin, c'est du self-care, c'est du self-love. C'est de prendre soin de moi, de prendre du temps pour moi, d'apprendre à m'aimer. Puis c'est pour ça, en fait, que j'ai décidé de faire cette vidéo-là, de me dater, de passer du temps avec moi-même. Fait que c'est ça. Fait que j'étais dans mon char, puis je me disais, Chris, qu'est-ce que je pourrais bien me faire tatouer? J'ai eu envie de me faire tatouer self-love, mais honnêtement, est-ce que je parle pas anglais? Puis est-ce que je trouverais ça bizarre d'avoir comme une phrase en anglais sur moi? Je trouve ça n'aurait pas rapport. Puis il m'est venu en tête juste de me faire tatouer amour propre. Puis pour moi, ça signifie beaucoup. Ça signifie que dans cette période-ci de ma vie, que je sais que je vais me rappeler toute ma vie, ben Christ, c'est important que j'oublie pas de m'aimer, puis de prendre soin de moi, puis de me respecter, puis de me pardonner. Au fond, dans la vie, il y a personne d'autre sur qui tu vas pouvoir compter autant que toi. Fait que, la gang, je me suis fait tatouer sur un genre de micro coup de tête. Un micro coup de tête. Me dis-tu vraiment? Un micro coup de tête. Ça, c'est un coup de tête pas vraiment gros. Un petit coup de tête. Je me suis fait tatouer ici. Regardez, ici. Wow! Mais là, il y a comme un papier que je peux pas enlever. Mais c'est ça, il est écrit amour propre. Je l'ai fait en lettres vraiment attachées puis vraiment comme séparées. Ça a l'air plus linéaire. Je voulais quelque chose qui... au premier regard, tu peux pas nécessairement dire que c'est ça qui est écrit. C'est ça. Je pense que je vois vraiment ce tatou-là comme une espèce de transition dans ma vie. Je sais que c'est pas un tatou qui change tout. J'ai envie de regarder ce tatou-là tous les jours puis de me rappeler à quel point que je m'aime, genre. Puis à quel point que j'ai de la valeur. Puis comme les jours où est-ce que j'y crois pas, comme hier, ben que je puisse regarder mon bras puis me dire genre, non man, tu vaux quelque chose. Genre. T'es une belle personne, ça va bien aller. Je trouve que c'est important de se le rappeler. Puis on a besoin de personnes dans la vie pour nous dire à quel point qu'on est belle, genre autant intérieurement qu'extérieurement. Fait que c'est ça. Je suis bien contente d'avoir bouclé cette journée avec un tatou, genre permanent sur mon corps qui va pouvoir me rappeler à tous les jours de ma vie à quel point que comme, est-ce que je peux compter sur moi? Puis on est toutes des belles personnes. Puis je pense que c'est important de se le rappeler à tous les jours puis d'y croire vraiment vraiment beaucoup. Après avoir fait mon tatou, ben là c'est sûr que j'étais en date with me, mais ça s'est pas mal transformé en date with my friends, je vous dirais. Fait que j'étais allée prendre un petit verre. Puis honnêtement, ça m'a vraiment fait du bien. Je comprends que c'est important de passer des moments avec soi-même, mais est-ce que ça fait du bien d'être entourée? Puis après avoir passé la journée toute seule à faire des activités, vivre des émotions, à me faire tatouer, ça m'a fait du bien de juste comme relaxer, d'aller chiller avec des amis, d'aller prendre un verre, de rencontrer des nouvelles personnes. Fait que c'est ça. Fait que je vous dirais que ça conclut ma journée de date with me. Je pense qu'il y a d'autres activités que j'aurais eu envie de faire tout seul. Ça m'empêche pas d'y faire un autre moment. Je pense que ça va être une semaine de date with me. Mais en même temps, j'ai pas nécessairement envie de filmer ces moments-là parce que je trouve que ça leur enlève un genre de cachet, comme. T'sais, comme t'es en date avec toi-même, mais dans le fond, t'as comme ta caméra. Je trouve ça un peu cave quand on y pense. Fait que les prochains moments de date avec moi-même, je vais vraiment les faire juste avec moi-même. Mais je suis fucking stoked d'avoir partagé ça avec vous. Écrivez dans les commentaires, vous, qu'est-ce qui vous fait du bien quand vous avez envie de prendre soin de vous, quand vous avez envie de vous donner du love. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Fait que aimons-nous, gang, parce que c'est important. Sinon, on s'aime pas. Qui c'est qui va nous aimer? On sait bien pas. Ça, on sait pas. Aimons-nous les uns les autres comme on aime les sopranos, les cannes de maïs et boire la bière. Rock on! M'avez-vous vu de même? Chris, on dirait que je suis M. Patate. On dirait vraiment que je suis M. Patate.